vous verrez aussi une caméra dans la salle. Alors, c'est la caméra de ma classe Fais sa télé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va bien. Je suis très en forme. Je suis très impatient de commencer à chanter aujourd'hui, à faire mon concert. J'espère que les enfants seront aussi en forme. Pour quelles raisons vous êtes-vous inscrit à ce concours ? Monsieur Olivier vient régulièrement dans notre classe pour réaliser des animations musicales. C'est lui qui nous a proposé de nous inscrire à ce concours et nous avons tout de suite eu envie d'y participer. Au clair de ta plume, écris-moi une chanson. Quand on aura inventé les paroles, on mettra tout ça en musique avec Monsieur Herbin. Bonjour mon voisin, bonjour ma voisine, comment allez-vous ? Serrons-nous la main. Pourquoi avez-vous créé ce concours ? Bien, j'ai créé ce concours parce que, j'ai pas créé tout seul, j'ai créé avec la SBL, Accroche-Note. Pourquoi ? Ben parce que comme je suis instituteur, ben, j'aime bien de travailler avec des choses différentes. Et comme je suis aussi musicien, ben, je me suis dit, ben, tiens, mettre des textes de musique, hein, donc faire du français, du savoir écrire avec de la musique, ben, je trouve que c'était une bonne occasion ben, de travailler mais en chantant. Quel est le sujet de votre chanson ? Les expressions connues, nous les avons transformées pour les rendre drôles. Notre classe à la classe. Donc ici, nous avons la classe de Madame Marie-Ange Delguste, qui est institutrice donc, à l'école de l'Espérance. Et ils ont gagné dans la catégorie des 5-8 ans avec la chanson « Et demain, quand je serai grand ». Est-ce facile d'écrire une chanson ? Au début, c'était difficile, mais madame nous a aidés et on l'a fait en petit groupe. Hey ! Bonjour mon voisin, bonjour ma voisine, comment allez-vous ? Serrons-nous la main. J'ai envie ce matin faire de la musique, j'ai envie ce matin faire de la gymnastique. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefaisatelier.be.